Nouvelle session d'actualité, madame, monsieur, merci de nous choisir pour vous informer à la une. Ils ont bravé l'interdiction de manifester en cette période d'urgence sanitaire. Des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social étaient dans la rue ce jeudi pour protester contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Une marche dispersée par la police nationale congolaise, mais qui a connu quelques dérapages avec des casses enregistrées par-ci et par-là. À Lubumbashi, les militants de la Mouka ont eux aussi bravé le conflit. La police a tiré des tirs de sommation pour disperser la foule. Et puis cette manifestation s'est tenue alors que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a, après une réunion avec la primature, interdit toute marche en cette période d'état d'urgence. Gilbert Kankondé avait instruit la police à faire respecter la loi et demandé aux alliés de la coalition à privilégier le dialogue devant toute divergence.